salut à tous. Je sais que je vous ai manqué, vous aussi vous m'avez manqué. Donc tout simplement, je reviens avec des rencontres, des caméras cachées, des rencontres faites dans la vie de tous les jours. Mais cette fois, on aura l'impression qu'elles sont semblables à celles que je vous avais déjà proposées. Sauf que la différence, c'est quoi? La différence, c'est ma psychologie féminine, ma manière de faire des rencontres, ma compréhension de la psychologie féminine qui aura changé. Donc forcément, tu auras des interactions totalement différentes que celles que je vous avais proposées avant. J'espère que tu apprendras un certain nombre de choses qui vont te permettre à faire des rencontres aussi, à revoir des femmes qui te plaisent. Je vais te souhaiter un bon visionnage et on se dit de l'autre côté. Ça vaut vraiment la tête. Ah bon? Je te jure. Je m'appelle Yoresh. Enchantée. Maintenant, je sais que tu es antillaise. Ah ouais? Ouais. Mmh. Non, c'est déjà ton accent et comment tu dégages ça. J'avais appris une phrase en antillais, mais c'est en. Comment on appelle ça? En haïtien, mais j'ai oublié. Peut-être que tu m'apprendras créole. Tu parles créole? Non. Pourquoi? Je parle pas. Tu es sur les réseaux sociaux? Ça m'intéresse pas. Ok. Je peux faire vivre la vraie vie. Comment? Comme voici ce qu'on va faire alors. Je ne suis pas de Paris, donc ça sert à rien. Ok, tu pars quoi? Oui. Bon, parce que je suis intrigué. Peut-être tu viens de la Guadeloupe, peut-être de Martinique. Tu viens de. Martinique. Tu vas prendre mon numéro français. Et le jour où tu viens, tu m'envoies un message. Ou mieux encore, c'est pas parce que tu es en Martinique et moi en France qu'on ne peut pas prendre des nouvelles de l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Si on s'en recroise, c'est-à-dire que je vais te donner mon numéro. Tu vas prendre bien. Passe une bonne journée. Salut. Tu marches, on dirait que la rue t'appartient. Et tu n'as pas l'air, mais tu marches très rapidement. Tu fais très entière. Tu n'as même pas demandé mon prénom. Donc je suis censé être énervé. Et tu ne. Donc comment tu marchais? Tu étais très pressé. Tu rentres chez toi. Tu vas en date. Ouh. Tu viens d'où? Je suis jamais allé. Et tu repars quand? Ah, tu viens seul à Paris, hein. J'aime bien, hein. Châtelet, il y a du monde, il y a de quoi manger. Ça fait combien de temps que tu es là? Début juillet. Ça va, c'est récent. Mais tu étais déjà venu. Après, je sais qu'on s'y perd facilement à Paris parce que c'est très grand. Non, ça va. Je t'assure les panneaux. Parce que tu sors beaucoup, c'est pour ça. Non. Non, moi je peux vous préférer, il y a tout écrit sur les panneaux. Ok. J'ai des amis qui sont venus à Paris pour la première fois et à chaque fois, je vais balancer ça à la poubelle. Et à chaque fois, ils se plaignent qu'ils ne cessent de se perdre. Pire encore dans les métros. Je sais que ça va très mal te passer et que tu vas me recontacter. Tu as Instagram? Ouais. C'est quoi ton Insta? F. Attends. Tu m'as dit c'est F? Je suis pas. Ok. Donc ça se passera mal quand je vais t'écrire. Tu vas tout simplement me dire à quel point ça s'est mal passé, d'accord? Salut. Excuse-moi pour mon retard. Je sais, on s'était donné rendez-vous à 20h et je suis arrivé à 20h15. Je suis vraiment désolé. Mais tu sais qu'à Paris, c'est très compliqué de trouver des endroits où se garer. Je sais, je ne ressemble pas à la photo de profil sur Tinder, mais je suis plus beau que la photo de profil. Non, c'est pas ça. Non, je rigole, tu t'attendais pas à ça. Non, je t'embête. Je te trouve jolie, je t'ai dit bonjour. Tu viens d'où? Moi? Ouais. Cap-Verde. Ah, tu es capverdienne. Oui. Donc tu parles portugais. Ouais, je parle portugais. Ok, ok. Ça fait combien de temps que tu es à Paris? 3 ans. Ok. Ça va, c'est sympa. On m'a dit beaucoup de choses des capverdiennes. Oui. Elles dansent beaucoup, elles font beaucoup la fête et elles aiment l'alcool. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. Et tu fais quoi ici? J'attends 4 ans. Ton date? Vous allez faire quoi? Vous allez boire l'alcool? Non, je ne bois pas. Tu ne bois pas? Oui, moi je suis diabétique. Ah d'accord. Donc il faut attention avec l'alcool et le sucre. Oui. Si tu ne bois pas, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime sortir avec mes amis. Et danser? Oui. Okay. J'aime beaucoup. Okay. Et tu fais quoi à Paris? Impro. Je te voudrais plus travailler avec le vêtement. Oui. Donc avec les vêtements, tu vois. Je te voyais plus dans ce domaine-là. Donc, je t'ai vu. Je t'ai trouvé jolie. Je suis venu te parler. Merci. Je suis cool. C'est ce qu'on dit, que je suis beaucoup adorable. Tu vois. C'est quoi ton Instagram? L-U. Et ça va, tu habites à Paris? Oui, j'habite à Saint-Germain-en-Laye. Pas loin des Champs-Élysées? Ah ouais, je crois. Ouais, je suis pas loin de là. Voilà. En plus, il y a de très beaux restaurants là-bas. Vu que tu aimes manger, on ira manger là-bas. Ok, je t'écris. Vas-y, ciao. Vas-y.
Tu es au téléphone? Ah, c'est en vocal. Oui. Heureusement pour moi. Parce qu'il y a cru un moment que tu es toi au téléphone. Non. Tu es très jolie. Merci beaucoup. Voilà. Tu vas à une soirée. Ok. Ça te va bien, la robe. Merci. Où tu prends Uber finalement? Oui, oui. En plus, il est là. Ah, il est déjà là? Oui. D'accord. Il est là maintenant. Ok, tu es Instagram? Il est là. Tu es sur Instagram, dis-moi. Bonne je vais retenir Instagram ou pas du tout? Oui. Ok, ça marche. Vas-y. J'imagine que tu es en train de te dire si je savais, je portais pas les talons. Non, j'aurais dû porter une chaussure basse. T'es sûr que tu assumes? En tout cas, le visuel, c'est pas trop ça. Hein. Non, ce n'est rien de méchant. Ce n'est rien de méchant. Après, ça te voit que ça te va très bien, tu vois. Ah, d'accord, de base, tu es plus talent que chaussure basse. Non, vraiment les deux. Vraiment les deux. Ok. En tout cas, vos styles vous va, c'est bien. Tu es ivoirienne du coup. Avec ton pied. Ton pied. Vous êtes parisienne? Ok. Une belle rencontre comme celle-ci, normalement, elle se prolonge. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que si on va prendre, on va se poisson. Je crois au karma, mais pas au hasard. Il y a le karma qui va se prendre. Ok.